Fidèle Haïti Media on yo, bandi Gravine pas suspend fait sans couler au niveau des Kafou Fey. Malgré pendant jour saute passé au la gien pile moun qui t'a essayé ou même capable dit qui t'a tenté pour te regagner kayo, retourner dans zone yo, en zone yo lever là-dedans, yo fait timoun là-dedans, yo commencer blanchi là-dedans et puis on bonjour, bandi te levé dans koyo, nek ti la pli yo, pour te faire yo déserter. Et ben qui te me dit nous gagnien yon gros capable di déblosay qui éclaté on ka rele tout on fusillade ça y est côté nègre avin yo yo vini yo prend 7 moun et dans 7 moun ça yo gen 6 là dedans yo qui pa là nègre touye yo après ça met 10 fe sou yo 7e moun là moi gen l'impression li sauvé de justesse parce qu'elle son fille là au fin prend moun ça yo et après ça yo dit demoiselle là li met aller mais reste moun yo qui c'est garçon nèg yo criblé yo en bas ka touche et après ça yo boulé yo en face cimetière des caillettes là selon plus information que moi joine par rapport ensemble avec drame ça qui fait au niveau des Kafou Fey en bas la ville là bam dit le konsa pito gagné ancien policier Adelson Gouneg qui révoqué dans la police là par rapport ensemble avec nous connait détail déjà pas rentrer sur ça mais monsieur qui c'est moun Kafou Fey qui gen kali alors que te gen business li tout malheureusement dans dernier vague nèg ti la pli grand avenue yo té boulé kay monsieur écrasé kay la en soi on comprend nèg yo té entré dans business sans piller qui donc monsieur dans la rue mais monsieur expliqué victime ça yo nèg grand avenue prend victime yo depuis dans impasse et dit yo prend yo yala avec yo juste nan rimon seyeg yo est-ce comprend et c'est là tout yo t'a pral exécuter nek sa yo mais yo prend yo c'est par rapport ensemble avec pression que nek ti la pou yo toujours a faire sou moun nan Kafou Fey pour montrer que zone nan li still toujours nan men gang yo et ancien policier li même li avancé pour le dire moun Kafou Fey moun ki te konnen nan zone nan li préférable pour yo rete dehors toujours malgré rete dehors ki kote pral dormi gen moun mamwe k ap plein ki yo mete non centre côté yo pa ba manger pa aucune assistance bon côté l'état même si dit li préférable pour nous rete dehors toujours pas tenter rentrer en dan Kafou Fey en dan savane pistache parce que zone nan still toujours nan men bandi c'est CSPN nan en soi qui pour trancher qui pour prendre fait un conseil on prendre pour chita pour dire comment yo pral mener une opération d'emblée en dan en façon pour capable déblayer zone nan ensemble avec nèg grand avignon nèg ti la pli yo qui étend yo dans tout petit coin en dan Kafou Fey en dan savane pistache bagala vraiment grave situation vraiment paniqué gan pile moun ki nan la peine m'a regardé récemment la gonti gan moun nèg ti la pli yo meté le dehors ti gan moun al vivre en côté m'capable di les moun yo pa côté pour aller obligé rentrer non centre ti gan n'a crié et avant et drame ça il était ouais mais journée aujourd'hui ali avec par rapport ensemble avec problème que la pandi ba li poukou jam ouais depuis notre ti moun rive nan jeune femme jusqu'à ce que le grand moun là c'est kounya la préyo ça a vraiment paniqué l'esprit ben même nan on capable dire au niveau des yeux ça li fait effet jusqu'à ce qu'il arrive avec et pour montrer nous grand pile moun se respirer après respirer en Haïti mais ou pas vivre en plus, on a essayé de faire résistance, mais plus fort que tu as fait résistance, yo, vague Nicaragua, vague Mexique, là, qui est en beauté, plus fort là-dedans. J'en entendais assez ça, mais qui te dit tout, au niveau des hauts cap haïtiens, il y a une brigade d'intervention qui mène une opération bloc des heures dans le matin, comprenez bien, oui, dans la localité, sur la route SOS Madeleine. Côté, il y a un bandit qui avait pris un bois calé dans la police, mais comment ça t'est passé? Comme dit nous, zone SOS Madden ça, c'est une zone côté la police non nord. Y a bien bon genre information, bon genre détail par rapport ensemble avec vieux dérapage qui souvent a fait. Nego utilisé voit ça pour y faire un pile mauvais acte. Eh bien, brigade d'intervention non au cap, y a choisi pour faire basio là. Yo monté un team qui s'est jamais dodo pour yon façon pour yon patrouiller toute zone yo matin, midi, coulan nuit. Mais nan moment pendant qu'on patrouille qui apparaît sur route là, mais patrouille a remarqué nan les indignes ça un paquet individu qui occupé au bord de route là. Mais nan même moment que patrouille a avancé sur nèg yo, sortant de ces coups de balle que patrouille a commencé à percevoir. C'est-à-dire bandi yo tiré en direction des patrouilles là. Mais nous connaît
policiers yo yo pas m capable dit yo pas bon ennemi on rentre dans pour il pas gagner force yo rapide vite ça nan men yo tout c'est pas chikou qu'elle tire comprendre bien oui yo obligé mettre en position de guerre et bien yo riposter ensemble avec bandi yo heureusement pour la police malheureusement pour sanguinaire yo gen yon nan nèg yo qui tombé et la police t'a pral joindre yon zam en position de tout ça trois téléphones ensemble avec yon couteau nèg sa yo l'autre de occuper zone nan c'est machine qui passe moun qui sont dans activité tabarre mais yo dit a pas la caillou quand même mais dès pour croiser ensemble avec nèg sa yo débalise ou prend tout ça sous s'il les faut même tout au même kidnapper yo capable kidnapper ou et ben l'autre nèg yo l'autre bandi qui était ensemble avec malfra qui tombé a et faut me dire nous la police a combattre la cali même pas connait non puisque c'est dans école nationale de police peut-être nèg yo recevoir formation ça mais aller chez international mouel mais gon Jean Bagala si vous avez fait tout dans pays nous bon bien on est un bandi l'a tiré coup de balle sous nous non les indignes comme ça nous blesser le par balle est-ce que vous comprenez et monsieur va mourir sur les champs non la police rend monsieur service yo prend y aller non santé santé pi prêt pour y aller bal soin après finir ses voix balle était vrai gay police me connaît papa non les indignes ça yo pas pas risquer vie on a mettre minute dans bon non est-ce que vous comprenez c'est tout camper de loin en faire une fois oui bon dès que t'en menacé et ben ça fait la passe en bas et comme ça mais en tout cas j'en entendais ya et bien vite et capable dit soldat ça qui n'en base au niveau des SOS Madeleine dans zone ça yo capable en pile problème monsieur li fin mourir sous cabane l'hôpital après il fin recevoir balle dans échange de tir et l'autre nèg yo veut que t'en joine accès pour yo lagicha le bagage qui est important encore c'est que la police procédé ensemble avec yon arrestation son demoiselle Timoun 1998 comprenez bien oui qui c'est Loudi Moïse et bien yon arrêté li nan commune Saint-Louis d'ici plus précisément dans localité Meyans pour moun qui connaît c'est là très bien et bien c'est BLTS dans département même qui t'est arrivé procéder ensemble avec arrestation ça après on petit check que t'a fait et t'a pas découvrir dans toute battant qui était dans main Loudi Moïse yo joine yon valise qui t'est gain là-dedans mes chers amis 8.980 kg marijuana et ben yo ouais effectivement après premier test préliminaire yo dit ah OK ça ici on ni semble tête coupe ensemble avec marijuana et ben yo prend demoiselle là yo mettel en côté pour machine pas frapper en tout cas il t'a pas faire business ici bon dit dans moment ça ti bail ça vend cher si tu dans ghetto ils comprennent pas qu'on aime le prend risque là quand même pour te passer ensemble avec tout kilogramme cocaïne ça alors marijuana ça yo et ben heureusement pour la police il pas gagne temps tromper vigilance policier yo maré le courant manze crap actuellement yo fait mettel en côté pour machine pas frapper en pile fois m'ap din sa clé mesdames souvent utiliser ça comme un atout le fait que yo se fi yo gon me levé parfois konwe la police a fouke tout moun ou bien gon arimage k'ap fèt la tout moun a pran code mais mesdames yo et comme si gon passe pour qui ou e gon façon yo gérer mesdames yo on prend et dit yo di OK mesdames yo dégagez nous passer nous pas nan rien moi tu comprends non en pile fois mais mesdames sa yo souvent utiliser privilège si là nan moment là ya kon tan les police a mené opération et ben yo souvent utiliser le pour yo faire vie produit illicite passer la police a li même tout yo activé vigilance yo on prend 20 fois plus pour action ça yo pas répéter dans moment y a opéré j'entendais ya et ben demoiselle ça actuellement Loudi Moïse yo fait même en côté pour machine pas frapper et en attendant li bay ki l'autre monde encore qui dans réseau ça ensemble avec ni et qui côté il saute so prend 8.980 kg marijuana ça yo pour la vendre dans Saint-Louis d'ici ou bien dans localité Meyans dans département Sud pays d'Haïti le bagage qui est important ouais La nati va jamais gras. M'pa konnen son moun fè expérience déjà son avec la nati. Tout ça fait sur la terre béni, c'est sur la terre en vont mourir ou payer. Nous songe policier Derek Jovin. On prend un policier américain oui, c'est monsieur qui t'est tout fait George et Floyd. Nous songe baï ça oui. Côté ça t'est fait gros tollé, bon t'a pral arrêter Derek, mettel dans prison. Mais est-ce qu'on connaît nan jou sot passé yo la m'ta songe pou m'te di nou ça mais nou konnen ba yo tellement pile devant ça passé nan jou sot passé yo la nan moment monsieur nan prison monsieur trouvé nan prison fédérale à Tucson et puis pendant la fonti ba et vient li recevoir plusieurs coups de poing ya est-ce que comprendre yon l'autre prisonnier en dans prison an, ba monsieur satisfaction ba monsieur sentence peut-être qu'elle t'est mérité après l'an mort nèg noir ça qui c'est George Floyd est-ce que comprendre et ben ça t'est passé 25 mai 2020
Et pas oublier, journée jodi a nan ki année nouye, nous dans année 2023. A dit 3 ans après mon cher a joine salte mérité qui donc souffrance qu'elle t'a fait George Andirea au moins il senti souffrance dans tout. Peut-être était dans prison, l'a pris dans gym, l'a bien mangé, l'a bien dormi puis n'est pas mort. Dès les sont comprendre nous connaissons comment prison aux États-Unis déjà. Et ben yo bail monsieur un petit piki et piki ça a voyé le doigt sur cabane l'hôpital, mais malheureusement, on se comprendre pour tout noyau, mais c'est pas mourir. Comment bien oui, malheureusement bien dit lui, malheureusement monsieur va mourir. Yo dit après toute démarche qu'il a fait sur au point de vue médical, bien monsieur il arrive comprendre après prendre là après divers coups de poing qu'il finit recevoir dans ses lits. Même dit ça sort fait c'est loué sur la tête. Avec mon a dit l'enfer garder bien. On monde qui fait mal, comprendre oui, en vont mourir payer mal là sur la tête. C'est comme ça qu'il dit. Pas oublier, non pas monsieur Tinek en tu peux d'avoir information même qui pas gagne bon tout, même qui pas camper soin ou même qui pas capable aucun rendement sur le plan sexuel. Madame mou tout a fâché avant, madame mou tout a petit pour n'a parce que ou son a rien à faire, on va régler un yen sérieux, a pas de manger, j'ai dormi ronflé, mais l'autre de vous baille plaisir, pas kabaille, mais qui te m'dit nous, ultra bonne c'est lui même qui maman pemba. Rentre en contact direct avec compagnie, ni mon téléphone n'a déjà passé dans l'écran, qui donc c'est plus 1 954 945 4005 ou bien plus 509 3755 4606 et site web là c'est www.ultraban.com. Ou voulez tout m'envoyer en visibilité pour monter en business, un projet quelconque pour vous, pas hésiter écrire Kounia à travers WhatsApp dans le numéro ça qui c'est plus 1 809 786 81 20. T'as dénoncé bagay ça. Attendez. Et moi quoi c'est dans dossier ça qui pral diviser Pierre Espérance et Marie-Olène Gilles. Chivio là. J'aime bien faire entendre que on croit que c'est sous même époque ça. Marie-Olène Gilles t'a pral divisé avec Pierre Espérance sous affaire chèque BM pas de là. Ah, monsieur, pas sérieux, non monsieur. Alors, Pierre nan qui ske, il fin dit non, il va recevoir quoi. Et puis les balles mélangées dans mais il va balan la rue, il dit oui, va y ter balan subvention. Non, mon ou grand monde mettre là, vous votre bail menton là. Ou monsieur va dire m'a tacler, m'a pas passer tison ça. Mais son pays difficile. Monsieur Fin dit pas recevoir rien. Après ça, le loi là comme si mélangé. Chaque gétant prend la roule, prend réseau social. Finalement, li sous même qui ce a, oui, li contredit tête li. Et li, malgré tout la jeune protection. A dit sous nan dimension ça va bay menton mettre là. Pas grand on pral di moun yo après le sérieux encore non frère. Son réalité, et mais c'est pas ça pral diviser Marie-Olène Gilles avec Pierre Espérance. Mais écoutez, pendant André Michel, monsieur était avocat Patrick Noramé, qui t'a dirigé BMPAD. Pendant monsieur dans émission sous comment télévision ça relé et Télé 20 avec Zaminoui et comment relé Jeffrard. Tenez bien, oui. Monsieur a déclaré que, là vous posez la question, mais est-ce qu'on connaît les amis ça dans BMPAD? Il dit non, il ne peut pas dire que Marie-Olène Gilles, comme tu l'as dit, lui rappelait une ordonnance qui était sortie que avocat Patrick Noramé, c'est André Michel, qui s'est demandé. Tenez bien, oui, la société. Eh bien, André Michel, carrément, l'aile web à la mélanger, parce que moi-même, je frappe pour ça, dans ce sens-là, on t'y l'a dénglié tout, oui. Ça a besoin de faire jeune nuit. L'y fait André Michel déparler dans l'interview. Est-ce que nous avons comme un pays difficile? Alors, c'est l'équipe mafia, ça, yo. Kounya nous mettait à l'honneur, n'a pas yo comme si, yo pas son côté, n'a pas ouvert tapis rouge pour yo. C'est l'équipe mafia qui a dirigé le pays, ya. Ce équipe n'est qu'à bousquer manger. Faut que société a commencé à comprendre. Nous pas qu'à nan moun sa yo. Nous pas qu'à retourner à qui yo. En aucun cas. Andade mouche ou gale. Ouais, menti m'a fait souli. Côté côté. C'est avocat Patrick Noramé, ancien directeur général BMBA. Attendez. Que qui gen mandat pour lui là pour la répondre à une question. Et que il va y a ce jeune là, on va jeter. Mais vous c'est avocat. Mais si m'avocat li là. Attendez bien. Et ça m'a besoin si moun fanatique moun yo comprenne. Ou a dossier ça? Depuis qu'il est privé à Tesla, depuis 2016. Attendez bien, oui?
Ça dit dossier contre Patrick Noramea son bail qui là depuis 2016-2017. Est-ce que nous est juste qui le ULCC vient retourner sur le dossier ça? Ça dit pas courir comme si craser, cracher sur le travail ULCC parce que sur ton rapport. Où c'est blanc de sortir nous fermer bouche nous? Le fait que son haïtien et puis tomber la pidèle. C'est qu'on va aller faire qu'on y a, non? Son dossier qui a traité depuis plus passé 5 années. Et jodi, yon retourne à vel sous tapis. On enquête qui prend temps. Gen enquête ici aux États-Unis. Gen enquête qui a mené qui prend 10 ans. Gen prend 40 ans pour jouer un résultat. Attention. Retournez dans le quotidien. Quand vous allez poser, monsieur, question sur Patrick Noramé, libre à dire le baron de Patrick. Après ça, Pierre va le mélanger, parce que Marie-Hélène Gilles, comme Tilandeng, lui dit, mais ça, André Michel, qui dit comme avocat Patrick Noramé. Entendez. Et vous avez défendu dans le dossier, c'est avocat Patrick Noramé, ancien directeur général BMB, qui a un mandat pour lui là, pour la répondre à une question. Et que il a cherché de là, on va venir. Ou c'est avocat. Mais si je suis avocat, lui là, qu'on y a. Si le mandat contre les femmes d'ailleurs que le commissaire pour demander de retirer le mandat, ou bien femme t'a commencé, ouais, qui action bral fait pour lui? 28 août 2017, 4 mois après, avocat Patrick Noramé, maintenant c'est Michel, avec Axel Joseph, je fais appel de décision, Jean-Louis. Vous dites avocat Patrick Noramé, il était fait quitter. Pas qu'on aime. Bon, on quitte le contact. Je ne connais pas. Ah, non, si Dieu nous presse. Mais bluffer ça, ou qu'on a aujourd'hui, qui prend la parole en public, qui n'a comme si qu'a passé sur des alors c'est eux même qui donneur de leçon monsieur va me dire un petit bagage moi-même m'ta trompé une fois on pas trompé plusieurs fois m'ba dou kounia même rêve m'ba fait m'ba dou kounia même vieux rêve m'ba fait ça les qui ça m'ta trompé mon fois il est humain de se tromper errare humanum est mais castiga predendo mores on corrige les mœurs en riant. Je n'ai pas trompé mon froid, monsieur, avec nous. Parce que je me pense que nous sommes bons. Et puis, l'aime garder moi sur l'équipe, je ne vais pas bousquer manger, je me dépose tout doucement. Mettez nos coins blier si n'existait. Oh, équipe nègre, nègre fait vie à bail mentor. Et puis, c'est eux-mêmes qui viennent donneur de leçons aujourd'hui. Mais nous pas sérieux, monsieur. Mais nous pas sérieux. Pour demander le retirer mandat. Ou bien, femme, t'as commencé, ouais, qui action bral fait pour lui? 28 août 2017, 4 mois après, avocat Patrick Noramé, maintenant Denichel, avec Axel Joseph, je fais appel de décision, Jean-Louis. Vous dites avocat Patrick Noramé, le salut de directeur général lui pas. Non, il était fait quitter. Vous entendez? Bon, mon qui te contacte. Vous entendez? Dans l'audience du 14 novembre 2017, affaire a retenu, maître André Michel déclaré devant la cour que c'est seul cour de cassation qui est autorisé, qui a compétence pour prononcer une succession Patrick Noramé. Il faut que la cour des comptes saisisse avant toute décision. Il faut que tu aies gagné un arrêt de débat. Parquet, pas juge des comptes, etc. Il faut que tu aies défendu Patrick Noramé. On l'a dossier. Poissonger. On l'a dossier. Poissonger. Bon, on n'a pas besoin de venir. L'avocat ou l'obligation. Ouais, là, il vient prêt. Il vient parler de ses clients. Mais t'as bien mis chez moi la cour d'appel pour lui déclarer incompétent le 4 ou 6 ça. Mais que vous avez fait? Si on a lancé le jeu de là. La société, pays difficile. Le pays difficile. Très difficile. Très, très difficile, oui. Ça veut dire qui ça? C'est pour montrer nous que son pays. Qui non seulement nous prennent un complot, mais qui entourent avec mafia, comploté. Un paquet de bluffeur fini. Kaba nous mentor, matin, midi, soir. Et bien, yon nous mette au timon des affaires, nous pensons que c'est bagaille sérieux. Ah, ben nous mêlons, oui. Eh bien, écoutez, nous faisons tout tirer à l'essai, hein, pour nous faire là la société. ULCC dans le rapport,
dans page 36 dans rapport là. Résumé exécutif du rapport d'enquête sur le patrimoine du sénateur Nenel Kassi. Dans prolongement enquête qui réalisée en 2018 par ULCC sous détournement yon cargaison tendez oui mazout pour yon montant plus de $500,000 américains. Plus passé $500,000 américains mazout détourné. ULCC tape enquêté sous dossier ça. L'homme d'où nous prenons un complot, pas qu'à les jeunes nous penser c'est menton. Eh bien, ok, moi-même, je me dis un petit bagage, je dis ça chaque jour, je pense que blague m'a fait. J'ai un souci, grâce à Dieu. Et merci à tous les amis qui comprennent, qui supportent le travail, non? Qui croient que le travail n'a fait est très utile. Ou même on ne doit pas comprendre le travail n'a fait, mais il y a des gens qui comprennent. Parce que nèg sa yo en aucun cas nous va retourner avec au météo sous moun déchet pièce sa yo. Écoutez la société. Dans prolongement enquête qui réalisé en 2018 par ULCC sous détournement yon cargaison mazout pour yon montant de plus passé $500,000 américains et yon stock du riz. Aïe aïe aïe, yon stock du riz, nous songeons à Issa, m'y photo ça la femme cherche le peuple là. Yon stock du riz, pays Japon te offri, ak BMPAD. Tendez bien, BMPAD qui c'est bureau de monétisation et programme d'aide au développement. Là yon tap développé 20 yon ak tête yon. Directeur général ULCCA, n'a parlé de Jacques Joseph. Conformément, on ne peut pas parler français, mais pourquoi? M'ba là. Hein, d'après ça, il dit, il rappelait, loi qui crée, etc., etc. Les juges opportun pour l'ouvrir une enquête sous patrimoine sénateur Nenel Kassi, qui t'a gagné, d'après information ULCC joine, dans la première enquête qui a été menée, qui te recommandé nomination ancien directeur général de BMPAD, Patrick Noramé. Ainsi, M. te recommandé également nomination ancien directeur administratif, là, qui c'est Evans Lenné. Tous les deux mouns sa yo, yon doit qui longe sou yon dans rapport enquête 2018 là, pour enrichissement illicite et blanchiment des avoirs. Ça a dit nèg k'a blanchi l'argent. Pour conduire, pour mener investigation ça, sous affaire patrimoine, ancien sénateur Nenel Kassi, et une commission qui t'est mandatée. Et c'est directeur général là, ULCC, qui t'est mandé pour commission ça, former rapide, pour aller vérifier l'exactitude et fiabilité information si la yo. A dit pour regarder qui sa vérité là-dedans yo. Est-ce que ça ka parlé yo? Est-ce que ce bagay correct? Ce bagay que nous ka fait confiance? Eh ben, le yo al continue al chercher pour mener investigation sa yo. Attention, yo allé sous déclaration patrimoine sénateur pour identifier ensemble bien meubles, immeubles qui constitue patrimoine réel sénateur Nenel Kassi, dans l'idée pour garder éventuel cas de corruption ou encore d'enrichissement illicite et puis d'autres infractions qui gagnent à pouvoir corruption. Dans le cadre enquête si là sous affaire patrimoine, commission enquête là li mandé yon série informations avec documents bon côté institution financière et une série organismes publics parmi yo office assurance véhicule contre tiers qui c'est OAVCT, direction générale des impôts DGI, unité centrale de renseignement financier UCREF. Et ça m'a dou ou pas craque ou doit pas aimer directeur général ULCCA ou doit pas li doit comme si
et toucher un moun ou pour fâcher. Mais faut d'accord que nèg yo font travail administratif. Faut d'accord. Tendez oui. Faut d'accord justement, nèg yo font travail professionnel. On démarche académique et même scientifique. Ko vle le ko pa vle. Ça dit pas parce que nèg la cité non moun ou non proche ou non rapport, pour étant vle krabinel. Krabinel. Ça qu'arrive, il gon erreur glisser. Mais est-ce que tout rapport n'est pas bon? C'est menton à bail. Tendez bien. Maintenant, tendez la société. Dans le cadre d'enquête, si la commission a demandé information, bon côté OAVCT, bon côté DGI, bon côté UCREF, il a demandé également ministère commerce et industrie. Tendez bien. Et en plus, gagné ma brigade vérification et surveillance patrimoine qui était mobilisé pour yo procéder à identification bien monsieur Kassi possédé ou bien madame ni hein bagage que yo ta gagné que yo bon moi yo pas déclaré a dit bagage que yo gagné mais yo pas déclaré bagage ça yo parce que pas oublier m'a dit nous madame Kassi. C'est chaud derrière la fête quand il voit ce man côté lié qu'on y a. Une vidéo là, oui. Il y a un bon vieux rêve sous lui qui a fait chaud dans ton équipe, mesdames, en République Dominicaine, qui a fumé bagay. Ou bien cachimbo, c'est l'obéi qui a fait. Ou bagay. Il te prend Instagram pour lui. Il te prend Instagram pour lui. Il te détient tel long fois, oui. Après ça, il va 11 ans, il vient manquer de dégâts. Ou bien Zamdou, et puis il me relaxe. M'pose. Tenez bien. Donc, selon données avec information, yo joen, pendant l'investigation, ça permet à l'ILCC de découvrir que ancien sénateur Kassi, monsieur Pat Conformeli, avec formalité déclaration patrimoine, eh ben, d'après ça qui est prévu dans la loi 12 février 2008, sous affaire déclaration patrimoine, à une série de catégories de personnalités politiques ou bien fonctionnaires avec l'autre agent public. Dans ce sens, sénateur Kassi, il a rappelé qui est élu pendant deux fois, 2006 et en 2015. Sénateur Kassi, t'es fait toute bagaille pour te wété obligation ça, qui c'est déclaration patrimoine. Il dit que n'a noté suite à promulgation en loi 12 février 2008 là sous déclaration patrimoine monsieur Kassi même gens avec toute l'autre parlementaire alors qu'en fonction il était supposé déclarer avec l'état patrimoine ni qui ça le gagné dans un délai de 90 jours suivant article 20 dans disposition transitoire non, loi si là. Cependant, jusqu'à la fin de son mandat, jusqu'à ce que le mandat finit, ancien sénateur Kassi, suivant donné enquête la baille, monsieur Pat jamais rempli formalité si là. Tendez bien la société. Mon ami, la kapé crime, ka fèm troublé nan koze ou la. Ça, son exercice difficile m'a fait là. Ça, équipe français, ne rali tout en français pour nous, mais trop français. Pour peuple la comprendre pitlé ou comprendre ça m'dou c'est pas ouais français hein et pas tout temps paraître pour parler et puis moi-même m'y l'aime parler français m'y l'aime elle m'a fait vieux rêve m'parler français m'dine ça déjà m'parler français tout clair ou comprendre ça m'dou attendez bien donc Nenel Kassi monsieur qui t'a gagné un délai de 90 jours pour te présenter faire déclaration patrimoine ni monsieur pas de jambe faire jusqu'à ce que le mandat fini, suivant donné enquêteur au joigne, M. Badjam rempli formalité ça. De plus, avant deuxième élection, non pas sénateur, Nenel Kassi, m'a pas ça, donc, Tamdou, il a fait un gros travail, oui. Nenel Kassi, monsieur, était consultant en primature. Attendez bien. Nenel Kassi, monsieur, était consultant en primature. Et, monsieur t'a trouvé à titre ça, il a pour obligation
légal pour te déclarer patrimoine. Suivant les dispositions de la alinéa D dans l'article 7, loi 12 février 2008 là. Mais là encore, Lionel Cassi, monsieur te foulé par sans papier tout prescrit légal si la yo dans ça qui gen pour wè ak déclaration patrimoine ni. Eh ben sans que li pat fè li ni avant ni après ni le la rentrer le la sorti. Commission enquête là, li doit signaler monsieur Cassi, Lionel Cassi, li te gagné un recours ou même en sorte de stratagème pour deuxième mandat li. Ça dit gon chali fonjon coûte mal taillé. Désolé, on coûte mal taillé. En effet, au mépris, ça dit li pas continue pas sans papier bafouer loi yo. Loi surtout de 12 février 2008 là. Lionel Cassi eh bien t'es obligé de tendre jouk nan fè mandat li pour le faire déclaration patrimoine sorti li sans que le pat effectué sans doute pour des raisons inavouables déclaration patrimoine entre elles. Elle dit c'est là la fini et puis ils font coup de maltaille, un coup de recherche pour la tenter faire déclaration patrimoine ni alors que le pat jamais fait elle va rentrer. Ouais les gars ici fait tout bon. Tenez bien. Pour besoin enquête yo bien que yo t'ai fait en dehors prescrit légal, investigateur ULCC yo te prend soin pour yo analyser tout petit détail dans deux déclarations patrimoine sorti monsieur Cassi te effectué. T'as dit li bay sorti lo bay entré. Ana ki si difficile. Ou est pas intelligent. T'as dit sou el bay entré. On dit que t'a rentré, il te dit il gagne 10 000 goud. Pour y aller la sorti, il gagne 500 millions. Il dit, mais il va poser la question. Comment vous faites 10 000 gouttes de l'autre entrée pendant 5 ans ou vous passez à 50 millions? Il faut bailler des détails. Et puis il ne peut pas bailler. Il est intelligent. Il pense intelligent. Bravo, ULC, c'est bon bagay. Donc, tenez bien. Il dit que il prend soin pour analyser tout petit détail. Travail analyse la permet de relever. Y ont certain nombre d'omissions à li bagay yo pa mete. Hein? Bagay ki pa clair nan déclaration patrimoine sénateur en particulier nan sa ki fait en septembre 2022 pendant la sorti en fonction comme sénateur. Entre autres, nan sa ki gen pou wè à compte bancaire ancien sénateur Cassi nan formulaire déclaration sorti li rempli en 2022. Li déclaré seulement deux comptes qui domicilié à BNC, c'est-à-dire deux comptes seulement li déclaré que li gagne en BNC. Alors